Bonsoir tous les amis, moi yo. M'a salué tout très fort et m'a dit nous toutes bienvenue ensemble avec moi dans l'émission nous hein, grandir dans le royaume bon Dieu, grandir avec conseil. Jeudi à c'est mardi 11 janvier 2022. Moi content pour me retourner avec message. Comme nous connaissons, nous commencer série message ça qui c'est prendre contrôle de la vie. Prend contrôle la vie ou. Et nous dit pour yon moun gen contrôle la ville faut que li prend contrôle pensée faut que gérer pensée ou. À soir moi vle garder ensemble avec nous qui puissance qui gagne dans pensée ou. The power of your mind. Qui puissance qui gagne dans pensée ou. En bon créole nous toujours dit yon moun doit gen tête sous épaule. Ça veut dire ou doit penser bien ou doit réfléchir bien. Si vous pensez bien, vous allez agir bien. Bon réflexion, bon action. Bon réflexion, bon décision. Réfléchis avant d'agir. Pas fait tête chaud, prends sans pas pressé. Pensez yon moun gen puissance. Tout ça yon moun yé dans la vie, c'est dans pensée li sorti. Pensez yon moun ka fè le riche. Pensez yon moun ka fè le pauvre. Pensez ou ka fò misérable. Pensez ou ka fò se yon moun ki fort, kon sa tout pensez ou ka fò son moun ki faible. Tout sa yon moun yé dans la vie, c'est dans pensée li sorti. Qualité pensée ou c'est qualité la vie ou. Jan ou pensé, c'est jan ou agi. Yon nan pli gros joué basketball. Dans moment, yon nan pli kou jwe basketball nan moment kap jwe nan high school. Se yon jen ti gason yon rele Henso Emmanuel. Li genye 18 ans, li te fèt Saint-Domingue. Eh bien, Henso manke yon ponyèt. Malgré Henso, nou di se yon nan pli bon jwe yon kap jwe nan high school nan moment, men Henso manke yon ponyèt. Yon nan meye jwè yo, kap jwe basketball, pou jwe basketball, fòk ou gen de men. Eh bien, avec yon sel men, élément sa, di se yon nan meye jwè nan mouman kap jwe nan high school. Henso, li score 26 points, environ 26 points nan chak match yo. Li pren 11 rebounds, li passe boul la 7 fois. Ak yon sel men, Henso li score 26 points, 11 rebounds, 7 passes. Wow! Henso te kapab bay vague lèl perdi men. Yo di l te gen 6 ans lèl perdi men. Yon mi te tombe sou men. Men Henso pa te décourager. Henso di au lieu li te gade. Dommage li a comme un désavantage, li te prend comme une bénédiction. Parce que li dit, bon Dieu, gen yon plan pour chaque bagay li ki te rive dans la vie. What a mindset. Li dit li pa gade dommage li a comme un désavantage, mais li prend comme une bénédiction parce que bon Dieu gen yon plan pour chaque bagay li ki te rive dans la vie. Li continue pour le dire, li nan yon mission pour bon Dieu. Amen. Nou? Li nan yon mission pou bon Dieu ak yon sel pointe la. Première fois mwen te wè ti vidéo bonhomme sa, ti bonhomme sa kap jwe basketball, mes amis sa te choke m. Et mwen te pose tèt mes question sa, ki eskize bwen? Mwen même ki gen deux pointe, deux pieds ki gen tout san a tout santé mwen, si li même ki manke yon pointe, li ka yon nan meye jwe basketball yo et mwen même. Et moi-même, qui esquise moi? Et m'ta prime pose aux mêmes questions à tous les amis. Qui esquise? Qui esquise? Et bien, amis, on kembe tête nous en place. On réfléchit bien parce qu'il nous dit bon réflexion égale avec bon action. On demande bon Dieu sagesse, compréhension pour nous faire face avec la vie ça. Pour ne pas quitter condition ou bien problème yo découragé.
Dans Proverbe 18, verset 14, il dit, les gens qui vivent, ça aide en pile les malades. Attendez, oui. Proverbe 18, verset 14. Les gens qui vivent, ça aide en pile les malades. Mais s'il est découragé, qui moun qui ka remonté courage li? Le yon moun malade, pense le capable de traiter le. Pense le capable de guérir le. Pense le capable d'encourager le. Mais s'il quitte découragé, s'il quitte pense le découragé, personne moun pa ka encourager le. Après, hen sote fin pedi point li, s'il pat mette nan tête li ki bon Dieu gagne un plan pour lui, quelle que soit condition, li tap découragé. Mais Henso pas quitter découragement prendre mais te mettez la foi dans bon Dieu, il dit bon Dieu gagne un plan pour lui quand même, il a une mission pour bon Dieu et il connaît la pas accompli mission ça quand même pour bon Dieu. Pensez au monde qui a affecté santé, pensez au qui a affecté santé. La guerre en dépression, mais tout en stress. Ça veut dire penser au monde qui a diminué tant l'idée de vivre, comment il vit. La science découvre que le stress fait le monde grand monde vite. C'est un monde qui quitte mauvais pensée après tout, et nous dit mauvais pensée pour le stress, ça fait au grand monde vite. Mais ouais, leur pensée positive, leur mettre bon pensée dans tout, il faut comprendre le monde là d'une autre façon. Ça aide pour être plus créatif. Du bon docteur qui est le docteur Frédéric, il découvre que lui ouais, les aucun des pensées au positif sans aussi qu'il est plus bien. Lui aide au dormir plus bien ou gain moins stress et lui même découvre que ou grippe moins ou gain moins grippe les aucun des pensées au positif, les ou penser bien. Il dit li joine que li l'on pense bien ça augmente gratitude. Li remplou avec remè, li bon plus remè. Li aide ou vivre plus bien dans toute façon. Et mes amis, li important, li essentiel amis pour nous kembe l'esprit nous sous bagay qui réel, bagay qui droite, bagay qui vrai. On est capable de dire en kembe l'esprit nous sous parole bon Dieu parce que parole bon Dieu correct, parole bon Dieu vrai. Pensez au monde qui a puissance qui a transformé problème ni yo en opportunité. Pensez au gain pouvoir qui capable transformer problème ou yo en opportunité. Pensez au qui a fait tout ça qui te paraît impossible possible. Li ka changer défaite yo en victoire. Tête chargée yo en paix, doute yo en confiance et frayé yo en la foi. Ça me veut dire penser au pas seulement affecter santé ou li affecter la foi. Oui, santé yo moun pas seulement affecter santé mais li affecter la foi et spirituellement. Penser au ka augmenter la foi, comme ça tout li ka diminuer la foi. L'ennemi a mette pression sur la foi ou même ou doit a mette pression sur promesse bon Dieu. Oui, nous dit l'ennemi a mette pression sur la foi ou et bien nous même en mette pression en nous s'attirer tête nous dans promesse bon Dieu. Dans Romains 15 verset 4, mais ça dit bagay nous joine qui écrit dans livre là ka ban nous patience ak encouragement pour nous mettre tout espoir nous dans bon Dieu. Bagay promesse qui écrit dans livre là capable ban nous patience et encouragement pour nous kembe ou bien pour nous mettre tout espoir nous dans bon Dieu parce que nous dit côté qui gère espoir gagne la vie. Espoir fait vivre. Ça même espoir fait vivre. Parole bon Dieu ban nous espoir. Li ban nous patience, li encourager nan nou. Les ennemis en veut décourager, mettez l'idée sous bienfait yo, sous bienfait bon Dieu. Méditez sous expérience que bon Dieu fait avec yo. Zanmim les montagnes yo camper devant, si span garder qui haute montagne là, qui grosse montagne yo, mais mettez penser yo sous expérience bon Dieu fait avoir déjà qui va les montagnes bon Dieu fait monter déjà, qui va les routes bon Dieu passer avoir déjà.
Nan ki valè di fè bon Diye fò travèse deja, ki valè lan mè bon Diye fò travèse deja, et bien c'est là zanmi mou bezwen mete ide ou. Mete ide ou sou eksperyans yo. Lè w ap panse avèk eksperyans yo, lè w ap kontanple eksperyans yo, et bien la fò wè grande bon Diye. La fò wè koman bon Diye pa janm lese ou ni abandone ou. Parce que bon Dieu nous en lui dit là, li pas seulement là, la camper, la garder non, bon Dieu a bataille pour nous, la faire route pour nous. Comptez sous bien faire bon Dieu, comptez sous expérience bon Dieu, comptez sous ça bon Dieu fait pour vous déjà yo. Et puis c'est comme ça vous garder vous prendre force. Moi besoin d'encouragement. Parole l'a dit, bon Dieu c'est lumière nous. Bon Dieu c'est lumière nous. Li se konfòr nou, bon Diye pa janm kite pitit li, ni abandone pitit li. Sa se promes bon Diye yo. Li se refij nou, li se chèlte ki proteje nou kont tanpèt yo. Zanmim, an kenbe panse nou sou parol bon Diye, an pose sante nou, an fikse, an pose e panse nou, sou, ou be fikse panse nou zanmim, sou promes bon Diye yo. Jean pense, c'est Jean agi. Jean pense, c'est Jean agi. Si vous pensez bon Dieu qu'a délivré ou, l'a délivré ou. Si vous pensez bon Dieu qu'a sorti ensemble avec ou, l'a sorti ensemble avec ou. Jean pense, c'est Jean agi. Tu as un soldat romain qui t'est proche par côté Jésus-Christ, il dit mais servante moi malade. Mais moi pas besoin vinn la caille moi seulement parler moi quoi que servante moi a déjà guéri. Soldat dit moi quoi sou parler seulement sou di yon parole seulement servante moi a déjà guéri ou pas besoin vinn la caille moi. Jean pense c'est Jean agi. Si soldat pas penser que Jésus-Christ te ka fèl, li pa t'approcher bon Jésus-Christ. Mais plus que li croit que Jésus-Christ ka fèl, li proche ka bon Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait seulement. Et mes amis, en pile fois, c'est ça seulement nous besoin. Dis bon Dieu, parlez pour nous. Parlez pour nous ou bien agis pour nous. Mais moi, Seigneur, moi avancer vers toi, nous, Seigneur. Parlez pour moi. Jean pense, c'est Jean agit. Pas quitter doute, tout fait la foi, nous amis. Si tu crois, tu verras. Si ou quoi ou après, pas quitter doute, tout fait la foi. Bon Dieu ban nous assez pouvoir pour nous contrôler la vie nous. Bon Dieu ban nous assez pouvoir pour nous contrôler la vie nous. Dans Romains 12 verset 2 il dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Zanmim, yon pense qui faible prend forme tout ça qui ba côté là. Mais yon pense ki fort transforme tout ça qui bon côté. Tant que jeune garçon qui le Renswa nous te prend exemple de lui-même, après il te fin perdi pointet li. Il était qu'à conformer selon condition. Mais il pas chercher conformer selon condition là. Mais il était transformé condition là dans la foi li gen. Il était transformé condition là par la foi li gen dans Jésus-Christ là. Le ou moun, le ou konforme ou se lo kite bagay yo chanje ou. Le ou konforme ou se lo kite kondisyon yo, si konstans yo, chanje ou. Gen moun se tankou likid yo ye. Kelke swa kote yo ye, yo pren form ni. Kelke swa problem yo fe fasa avek li, yo pren form problem nan. Le ou senti gen problem, le ou kampe devan problem yo, sa ou fe, yo bese tet yo. Yo kagou. Yo marche dans le monde qui perdit bataille. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. C'est ça penser ou dire ou faire. Penser ou faire ou agir, tant que c'est liquide. Yo prend forme problème qui est à côté. Yo prend forme monde qui est à côté. Mais les penser ou fort, si penser ou fort dans le bon Dieu, ou solide. Yo monde qui est pensé. Nan bon Dieu ou bien nan Jésus-Christ, li se yon moun ki solide. Mais sou pa gen panse nan Jésus-Christ ou liquide.
Transformer, c'est l'homme qui te bon Dieu changer la vie ou pour qu'assembler à Christ là. Transformer, c'est l'homme qui te bon Dieu changer la vie ou pour qu'assembler à Christ là. Yon moun qui besoin changer la ville, doit changer pensée. Amen, oui. Si vous besoin changer la vie, il faut que vous changez pensée. Changer location, pas veut dire changer de vie. Ou bien doit dans plus bon condition. Ou bien doit dans plus bon position, mais la vie ou pas jamais changer. Parce que pensée ou pas jamais changer. Ou bien doit dans plus bon position, mais la vie ou pas jamais changer. Gen moun bon Dieu béni yo, mais yo toujours plein. Yo pa jam ka contenté à ça ou gagné. Yo vive avec yon esprit de pauvreté. Ça même si ou gagné esprit pauvre, ou ap toujours vivre dans misère. Ou ap toujours vivre tant que pauvre. Même les bon Dieu élevé ou, même les bon Dieu change position, ou ap toujours vivre tant que pauvre. Parce que esprit ou pauvre. Pensez ou pauvre. Pense, façon ou garder yon bagay, c'est façon ou comprenne li. Façon ou garder yon bagay, c'est façon ou comprenne li. C'est ça que fait Zamim. Ou ta dwe ap chercher le meilleur dans tout bagay. Look for the best in everything. Toujours chercher le meilleur dans tout bagay. Gen deux moun ki tap voyager dans yon machine. Des amis qui pral font route. Et puis là où ils venaient en distance dans route là, ça que pas t'a conduit à garder chauffeur, il garder aiguille machine, aiguille gaz machine là, il dit ah, machine là demi vide. Machine là demi vide, faut que nous camper pour aller mettre gaz. Chauffeur lui-même, il garder aiguille gaz là, il dit machine là demi plein. Nous gien pile route nous ka fait toujours. Ou est différence mindset yo, différence pensée yo. Youn pense que machine nan demi plein, l'autre la pense li demi vide. Jean gade yon bagay se façon comprenne li. Pense ou ka sauve ou. Pense ou ka pote succès pour ou même. Konsa tout, pense ou capable détruire. Pense ou gen pouvoir pour changer langage ou. Pensez au gain pouvoir pour changer langage. Sous te kon di I can't, ou capable di I can. Sous te kon di moi pas capable, ou capable di oui moi capable avec Jésus. Dans Marc 9 verset 23, li tout bagaille possible pour moun qui mette confiance dans bon Dieu. Tout bagaille possible pour moun qui mette confiance dans bon Dieu. Ça yon moun pense c'est ça lié. Ou pas j'aime ka vivre plus bien que penser ou. Ça ou penser c'est ça lié. Si vous pensez au café, vous pouvez faire. Amen, oui. De pour vous pensez au café, vous pouvez faire, au nom de Jésus. Mais de pour vous pensez au pas capable de faire, vous déjà perdu. Vous déjà tombé. Vous déjà by vague. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, apôtre Paul dit, Zam m'a servi dans la bataille, m'a mené. Ce n'est pas même à Zam moun ka vive d'après l'idée qui est dans le monde. Yo. Zam mwen se zam ki gen pouvoir devant bon Dieu pour craser tout gros fort. M'ap craser toute parole explication qui pas bon. Amen oui, m'ap craser tout ça les hommes dans l'orgueil yo a fait pour empêcher moun konnen bon Dieu. Amen encore. M'ap marre toute vieille idée qui dans tête les hommes yo, m'ap fait yo vin obéir Christ là. Apôtre Paul dit, m'ap krasé toute vieille idée l'homme qui est dans tête yo avec bon idée Jésus-Christ mette dans tête moi. Amen. Avec idée Jésus-Christ mette dans tête yo, avec bon parole ou jouen dans promesse bon Dieu, ou capable faire en pile bagay. Pas quitter condition yo décourage yo. Pas quitter circonstance yo décourage yo. Ou capable krasé yo au nom de Jésus avec bon idée bon Dieu mette dans tête yo. Les moments noirs ou paraît sous nos amis, n'a besoin qu'embé la foi nous faire. N'a qu'un besoin qu'embé la foi nous faire pour nous pas molir, pour ne pas décourager, pour ne suspendre plein, mais pour nous continuer bouger, pour ne pas chambouquer pousser pour plus devant. Ou a gagné victoire sous continuer bataille.
Si vous continuez à mettre dans la tête, vous avez gagné quand même. Parce que victoire, c'est pour les gens qui ont bataillé. Victoire, c'est pour les gens qui croient dans Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, la bataille pour nous. Si la bataille pour vous, ou déjà gagné victoire. Gagné victoire pour les gens qui toujours a dit, li capable au nom de Jésus. Gagné victoire pour les gens qui a dit, li capable au nom de Jésus. Yon moun ki kwen nan bon Dieu pa konté sou défaite. Lò kwen nan bon Dieu pa konté sou défaite. Mais lò kwen nan bon Dieu ou konté sou victoire, ou marcher victoire en victoire. Moun ki gen croyance la, li gen yon jan fonctionner. Lò kwen nan Jésus-Christ ou bon jan fonctionner. C'est bon Dieu qui fait nous comme ça, oui. Le monde pa ka comprendre nous parce que nous gen yon jan nous fonctionner. Croyance ou c'est résistance ou. Croyance nous dans Jésus-Christ, c'est résistance nous. Et pour yon moun vivre sous terre ça, faut ou ka faire résistance. Tout bagay qui réussit, c'est résistance yon fait. Tout bagay qui réussit, c'est résistance yon fait. Yon avion fait résistance à pression air pour le pas tomber. Oui, ça que fait avion pas tomber, c'est parce qu'elle fait résistance avec pression air. Yon bateau fait résistance à la mer pour le pas couler. Résistance, c'est clé pour gagner victoire. Dans Romains 8, verset 5 à 6, il dit, moun ka vive d'après ça les hommes jouent dans le corps, c'est yon seul bagay qui nan tête yo. C'est exigence corps. Mais moun ka vive d'après l'esprit bon Dieu, c'est yon seul bagay qui nan tête yo, c'est exigence l'esprit. Lor qui te exigence quoi apprendre tout, c'est mourir ou ap mourir. Mais lor qui te exigence l'esprit apprendre tout, c'est vivre ou ap vivre. Et puis, amis, sous qui te pense monde là, entraînant tête tout, ou ap vivre selon monde là, c'est perdu ou ap perdu. Mais si ou qui te l'esprit bon Dieu à rentrer dans ou même, c'est lui qui prend tête tout, il dit c'est vivre ou ap vivre, c'est victoire ou ap gagner, c'est gagner ou ap gagner, c'est succès ou ap gagner. Eh bien, il y a un succès en succès pour les gens qui mettent confiance dans le bon Dieu. Pour les gens qui quittent l'esprit bon Dieu, chita dans eux-mêmes. Zami mio, est-ce que nous voulons vivre? Est-ce que vous voulez vivre? Si vous voulez vivre, on met tes pensées nous sous bagay qui est réel. On fixe les yeux nous, on fixe les pensées nous sous bagay qui est réel. Sous vérité, parole bon Dieu, kap motive nous, kap ba nous patience, kap ba nous résistance, kap encourage nous pour nous marcher victoire en victoire. Veillez penser aux amis. Veillez penser aux. Veillez désir nous. Veillez chemin à plat. Et veillez influence nous. Papa nous qui dans le ciel là. N'a pas demandé au papa, remplis-nous avec bon pensée. Remplis-nous avec bon pensée qui sortit dans nous-mêmes. Pensée qui est capable d'augmenter la foi. Pensée qui est capable d'augmenter la santé. Pensée qui est capable d'augmenter tout et commenter succès dans tout ça, n'a fait papa. Nous sommes capables. Nous croyons capables. Une victoire pour tout le monde qui croit dans nous-mêmes. C'est promesse sur ça, Seigneur. Remplis-nous avec promesse, au Seigneur. Pour penser nous toujours capables d'être forts, Seigneur. Pour penser nous capables toujours d'être forts. Merci, Seigneur. Nous nous remercions d'avance pour toute bagaille. Nous prions comme ça. C'est parce que nous sommes bons. Mais nous prions dans le pitoy Jésus-Christ qui vient pour l'éternité. Amen. Zami Mouyo, qui est puissance dans la pensée. Mettez pensée sous bon Dieu. Et pourquoi? Wapwe. De pourquoi wapwe. Amen. Que bon Dieu bénisse nous toutes. Ciao.